Je le rappelais tantôt, un œuf qui a été précédé par cette célébration de la Journée internationale des droits des femmes en Guinée. Mamadi Doumbouya, depuis quelques jours, était annoncé à Kindia, la cité des agrumes. Mais finalement, le président de la transition a décidé de poser son lapin aux populations de Kindia et dépêcher. Hein, c'est le terme qu'ils ont utilisé, dépêcher son épouse, Lauriane Doumbouya, auprès de ces populations-là pour célébrer cette 47e journée de la Journée internationale bien sûr, des droits des femmes. Qu'est-ce qui pourrait amener le président à reporter, à ne pas aller à la dernière minute, à poser un lapin aux populations de Kindia, mon cher Ibrahim Aminata Diallo? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui pourrait être vraiment comme raison valable de cette absence, en tout cas de ce report, en tout cas, oui, du président, du déplacement du président à Kindia? Bon, écoutez, vous savez, la stratégie au niveau de la présidence, ce sont des secrets. Ouais. Et on ne sait pas la raison fondamentale qui a fait que le président lui-même n'a pas effectué le déplacement, bien sûr, annoncé à Kindia. Et moi, je pense que il y a de ces moments, si il décide d'envoyer son premier ministre, ça pourrait être aussi une stratégie. Peut-être il a ses propres raisons à l'interne. Bon, personnellement, je n'ai rien appris. J'aurais juste constaté qu'il y avait un Conakry était quadrillé, carrément quadrillé, et que voilà. Pourquoi Conakry quadrillé? Bon, écoutez, vous savez, en matière, nous sommes dans une transition. Il faut qu'on ose dire que la transition, c'est une crise. Et dans une crise, il y a beaucoup de risques. Donc pour cela, je pense que les garde-fous, mettre les garde-fous en place pour éviter peut-être des petits problèmes. Moi, je pense que c'est propre, n'est-ce pas, à la stratégie. On annonce qu'on arrive, mais qu'on ne vient pas aussi. Ça arrive. Alors, qu'on en a fait plusieurs fois. Voilà, ici, c'est pas propre. Au CNRD ou à Mamadi Doumbouya. Voilà. Bien. Oui, Amadou Houry, qu'est-ce qui peut amener votre champion? Le général Mamadi Doumbouya à ne pas aller? Est-ce que le calendrier était chargé? Quelles sont les véritables raisons? Qu'est-ce que vous avez appris? Quels sont les dessous? Parce que ça a suscité beaucoup de spéculation. Dans un premier temps, il faut rappeler que il n'y a pas eu un communiqué officiel annonçant le président de la République, le général Mamadi Doumbouya à Kindia. Est-ce que vous voyez? Mais secondo aussi, les journalistes se sont donnés à un scoop sans aller vérifier à la source. D'accord. Par exemple, ils ont donné à quelques communicantes qu'ils ont véhiculé certaines images qui ne sont pas bonnes actuellement à la stabilité de notre pays. Oui. Donc, puisqu'il n'y a pas eu un communiqué officiel, il ne fallait pas aller à ce niveau. Donc, pour le moment, nous, on n'a rien à dire parce que nous sommes à Refondation. Et dans la Refondation, le président opte quoi à faire participer à tous les membres, ainsi que la première dame, le premier ministre. Donc, pas obligatoirement qu'il soit là-bas et que la fête réussisse. Regardez hier, la fête s'est bien passée. Les messages ont été bien déroulés. D'accord. Oui, Boulokada, je te voyais sourire. Mettez le téléphone sur le silencieux, parce que ça va. Voilà. Mon cher frère, moi je dirais que c'était tout simplement une déception. Déception, pourquoi? Est-ce que le président était obligé de partir Lorsque mon frère vient de dire qu'il n'y a pas eu un communiqué officiel annonçant l'arrivée de Mamadi Doumbouya à Kindia. Moi, je vais dire, il est parti à Kankaï. Vous avez vu un communiqué officiel ici? Il est parti à Zérékoré. Il est parti à Zérékoré. Vous avez vu un communiqué ici? Il est parti à Labé. Vous avez vu un communiqué ici? Mais arrêtez. C'est généralement quand il sort du pays que... C'est quand il sort hors de la frontière qu'on passe un communiqué. Ouais. Mais à l'intérieur du pays, il peut se déplacer à tout moment. Il vient de... Bien. Il faut que je l'apprends que quand le président se déplace à l'intérieur du pays, il n'y a pas un communiqué officiel pour ça. Il suffit qu'il envoie les services de renseignement. C'est ça. Voir comment le terrain est. Après maintenant, est-ce qu'il peut aller, est-ce qu'il ne peut pas aller. Bien. Mais vous avez vu hier la mobilisation à Kindia. Ouais. Comment la mobilisation était chaotique. Ouais. Les gens chaotiques. On a vu les images à la RTG. Attendez, s'il vous plaît. Vous avez vu Kindia que moi je connais. Oui. Kindia que moi je connais. Oui. Lorsqu'on dit qu'un président doit venir, hein,
lorsqu'on dit qu'une haute autorité doit venir, c'est tout le monde qui doit se déplacer. Mais qui peut se déplacer aujourd'hui pour aller à Kiyi Mamadi? Bien. Qui peut se déplacer avec cette souffrance, il a encore avec des, cette misère, des personnes qui avec l'aiment. Cette pauvreté? Bien. Aujourd'hui, tout ce qu'Alpha a mis ici, ouais, comme pour aider nos pauvres mamans, le CNRD a saboté tout. La MIFA n'est pas là, bien, l'autonomisation n'est pas là, bien, les femmes ne sont pas accompagnées. Moi, je ne pense pas. Qu'est-ce que le CNRD va aller dire? Le déplacement de la première dame de la transition, ouais, est une bonne chose. Ouais. Kindia Sejel, Kindia Sejel, ouais, elle peut aller à tout moment, elle peut en ne pas aller encore. Ouais. Mais pour moi, moi j'ai vu hier le retour, le non, l'absence de Mamadi, j'ai qualifié ça tous, j'ai mis ça sur la non-mobilisation. Bien, d'accord. De c'est bien cela. Et puis parce que nos mamans sont frustrées du côté de Kenya. On recevra ce message. Tout le peuple est frustré contre le CNRD. Et à propos, on reçoit ce message de notre confrère Mohamed Lamine Kaba qui était à Kindia, qui a vécu l'ambiance, qui était sur place pour couvrir l'événement pour nous, qui dit que je vous informe que ça a été une déception pour les populations de Kindia, cette absence du président de la transition. Le fait qu'il reporte son déplacement à la dernière minute.